Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du championnat 2014. J'ai un petit bug micro, c'est pour ça que vous avez une petite coupure. Donc pour le Grand Prix, je vais continuer bien sûr. Et on va du coup se rendre en Espagne pour le Grand Prix de Barcelone. Un circuit qui, du coup, dans cette version, utilise l'ancienne chicane. Enfin, l'ancienne chicane. L'ancienne chicane par rapport à cette année. Qui est en fait la nouvelle par rapport à celle d'avant. Enfin, on va dire que c'est la version intermédiaire qui fait qu'il y a une chicane avant le dernier virage, voilà. Et c'était quelque chose à l'époque, quand c'était arrivé. Que j'ai trouvé vraiment dommage. Parce que ça n'apportait pas grand-chose, à part, certes, une meilleure relance à faire. Comparaison de celle quand il y avait simplement le virage sans la chicane, mais on l'a vu, c'est pas forcément ça qui a apporté de gros dépassements, donc bah, ils sont revenus en arrière, et ça fait plaisir. Même si là, on peut l'avoir. Alors en tout cas, c'est pas ça qui a été souvent passionnant en F1, et encore moins depuis quelques années. Et on va faire un setup qui va être en mid, hein, parce qu'on aura besoin quand même un peu de grip. Donc on va faire les qualifications. Hop, c'est qu'on est en blanc, enfin, je sais pas. On va faire les qualifications avec des gommes. Des gommes dures. Donc c'est parti, ce tour de qualification. Je suis en train de me dire qu'avec des pneus blancs, on va pas forcément faire un bon temps. N'est pas mauvais, et avec ce genre de gomme, ça va être difficile, quoi que ce soit. Et du coup, on part 15e, ce qui est pas fou. J'ai dû prendre les pneus tordres, pas trop compliqué. Ouais, alors, j'ai le restart session, mais comme je disais au début de la série, si on fait des erreurs, on fait des erreurs. Il va pas y avoir de retour arrière ni rien d'excuse, ça sera. En vrai, quoi. Alors, pour le coup. Race stratégie, alors. Ah non, d'accord, c'est juste que les pneus étaient différents, mais en fait, c'était les gommes tendres. Ok. Waouh. On va partir avec les gommes. On va faire un stint de 9 tours, parce que là, pas grand chose à rajouter. On va être en option. Il y a 17 tours à faire. Ouais, alors par contre, 17 tours à faire, c'est là qu'on va étendre à 10 tours le stint. Enfin, le, pour que j'appelle ça un stint, ça veut rien dire. On va étendre la durée du pneu tendre. 10 tours, j'ai même envie de faire 11 tours, mais je me dis peut-être que c'est peut-être un peu exagéré.
Mais 10 tours, je pense que ça me paraît bien. 7 tours maintenant. Voilà. Du coup, prime, option. Là, on est bon. Scusi. Oui, désolé, depuis que Hamilton part chez Ferrari, j'ai des Roland italiens. Ouais, ça c'est une minivan, bref. Allez, ingénieur, ça c'est bon, on va du coup lancer la course. C'est parti. Je vais remonter un peu mon son quand même. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Oh purée. Bon, du coup, en termes de performance pure, on est un peu moins là, quoi, par rapport à la Chine. On a un lotus à droite qui fait que ça va pas être fou au freinage. Oh, attention, on a une Caterham devant nous. Il a fait une qualification. Ah non, c'est une Force India, pardon. Elle va se décaler. Yes, beau décalage à l'intérieur, ça c'est bon. Profiter de la lenteur des autres au premier tour pour s'insérer au maximum. Voilà. Attention à la relance. Oh, bon, l'IA est assez sympa dans le sens où elle n'assiste pas trop. Je me souviens que dans les Formula 1, les F1 un peu plus récents, ils ont tendance à être beaucoup plus agressifs. Je me demande comment les gommes ont tenu 10 tours, même si elles sont plus dures que les autres circuits. Enfin, pas de DRS pour le moment. Bon, j'ai pas insisté, mais c'est quand même passé. Enfin, surtout repassé. On est combien? On est 7ème. Maintenant, les points pour le moment. Pendure, elle a quand même bien meilleure en temps, pardon. Et partir dans le mur. Ils ont le DRS, du coup ça va être compliqué à tenir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors je dois vous avouer que je n'ai aucun souvenir de la course 2014.
me semble que c'est une Mercedes qui a gagné, mais jusque là, hyper surprenant. Alors un peu le prix pour une fois ce virage. Ils en est, on est en 1,31, ce qui est vraiment, vraiment très long. Par contre, on était un peu meilleur dans le dernier secteur. La pression. Alors on commence à s'en sortir en termes de trajectoire. Moi je le ferai plus tard, hein. Ah, je vais essayer en tout cas. J'ai raté complètement ma rage. Je vais pas trop regarder mes gommes, je sais pas trop où j'en suis. Ouf. Ouais, j'avoue le décalage était un peu tardif là. J'étais en train de réfléchir sur comment afficher l'état de la monoplace. Oh, c'est Magnussen 8ème. Ah, je l'ai vraiment dû le... Voilà, je l'ai vraiment coupé la chic là, il connaît. On va voir à partir de quel moment ils vont commencer à avoir des problèmes avec leur gomme. Moi aussi, je commençais bientôt à avoir des soucis.
Il a moins d'une seconde, hein, donc il va avoir le DRS. J'ai enfin pu le prendre à fond. Et même quand on prend à fond, ils sont plus rapides que moi. J'ai niqué de dixième par rapport à mon meilleur temps dans le premier secteur. Je pourrais être un peu plus agressif dans cette section, mais je n'ose pas trop le faire. Être une seconde plus rapide sur ce tour-là. Par contre, on a 11 secondes de retard sur Vettel. On n'a évidemment pas parlé de la météo parce que vous avez bien compris qu'il n'allait pas pleuvoir. Il est pas loin. Alors, gomme a l'air de tenir longtemps. Hein. Je pense que c'est des gommes qui sont plus dures que la moyenne. J'ai un warning en plus. Raté ma sortie. Et menu 7 qui rentre au stand, Alonso aussi j'ai l'impression. Les quatrièmes, ils se sont déjà arrêtés. Je dirais à quel point ils sont plus rapides. Il y a qui s'est rajouté derrière. Sector 1, c'est logique, puisqu'ils sont peut-être des stands. Donc, non, je suis pas plus rapide qu'eux. Mais enfin, mon cher collègue, tu devrais t'en rendre compte quand même, sale stratège. Allez, ça rentre derrière moi.
J'espère que je suis pas bourré, hein. J'ai pris ceux du milieu. Ah, pareil, je pensais que c'était ceux du milieu, c'était les plus durs, donc là j'ai pris les plus... Les plus tendres normalement. En même temps, je suis pas trop mal, regardez, les Mercedes sont peut-être encore devant, loin, mais elles me prêtent pas autant de temps que prévu. Et avec des gobes tendres... Je pense ça va le faire. Dis-moi que c'est les Bourdeux qui m'attendent, s'il te plaît. C'est bon. On a les Bourdeux. Par contre, tout le temps, 3 secondes 7. Hein, ils sont vraiment rigolos chaque arrêt depuis le début de saison. Sur 8. C'est pas si mal en vrai. Le tour va être un peu complexe. Les courses d'attaque. On va essayer de rattraper Magnussen. Il a été gentil, Magnussen. On va avoir le DRS, ça c'est sûr. Lui qui va l'avoir. Et au freinage. Oh, piqué. Non, ça n'a pas passé. Le dévantage. C'est un peu dommage dans le jeu, c'est quand on sort un peu de la piste, le jeu nous pénalise automatiquement en ralentissant. Rattrage middle, on y va. Allez, nickel, bon passage. C'est clair, je dois massacrer un peu les gommes, mais... Voilà. Enché, la chicane, là, et du coup, il va encore avoir le DRS. C'est le moment. On continue à attaquer, on a combien? 13 secondes de retard sur Massa, ouais, ça va être compliqué.
Ouais, bah ça va être très très difficile à aller chercher. C'est 14 secondes maintenant. Quand on s'habitue à des gommes qui tombent pas, ça se met à tourner plus maintenant. C'est évident. Effet de Magnussen, 13 secondes. Ouais, enfin, vous doutez bien quand, vu le nombre de tours qu'il reste à faire, on va pas la rattraper. Il n'y a vraiment que deux secteurs où je vais être un peu plus rapide qu'eux. C'est la portion intérieure. Et après ça s'arrête là. Parfois la dernière section, mais c'est encore plus rare. À 13 secondes 2, j'ai encore un peu de temps par rapport à Massa, mais c'est pas suffisant. Un cas d'abandon devant aussi. Tellement pas eu cette année. Ça fonctionne. On a ruiné la course de Raikkonen, j'ai l'impression. Oh! Pourtant, je l'ai vraiment. Ouais, je l'ai pris un peu à l'intérieur, mais quand même. Du coup, une pénalité, je pense. Au groupe de 3, on a une pénalité, il me semble. Seconde 4. Deux tours à faire. Là, on est en mode
Tranquille. Je n'ai pas utilisé la suralimentation parce que je pense que même avec. Oh, il est trop de retard. En tout cas, bonne nouvelle quand même pour nous. Je pensais vraiment qu'on galérait à marquer des points en vue de performance de qualification. Et avec les bons pneus en plus. Nous finir 7e, je prends. Il me semble qu'après c'est Monaco. Enfin, Monaco, ça va être une belle affaire ça. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Je suis pas allé au l'intérieur. Je dis c'est bon, pas une quatrième fois, sinon on va prendre une pinard. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de jouer à F1 2023 en R. J'ai un pote qui avait un siège baquet, Fanatec, tout ça. Du coup, j'ai rapporté mon casque. C'était vraiment bien, hein. On avait fait Monaco direct. J'ai pris un énorme pied quand même, c'était vraiment sympa. Et on finit 7ème du coup, bah écoutez, c'est bien. C'est bien, la saison pour l'instant est très très bonne, honnêtement. À part l'erreur à Bahreïn, ça va. C'est quand même plutôt bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on finit de toute façon devant les Force India et devant McLaren. Pour l'instant, on est bon. Williams, ça va être très compliqué, on l'a dit. Red Bull, j'en parle même pas. Et Mercedes, impossible. Tout simplement impossible. Mon coéquipier, il combien? Ouais, 17ème. Oh, ce qui est étonnant, c'est Bottas 18ème par contre. Ouais. Très long. Button 11, ouais, y a pas trop de surprises quand même. Et tout le monde à l'arrivée, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, peut-être Kobayashi, n'importe quoi. Kobayashi qui a pris un tour. Et en termes de meilleur temps, on a fait une 28.5. Ouais, les 3 premiers roulaient quasiment une seconde plus rapidement, donc ça aurait été pas facile. En revanche, peut-être qu'on aurait pu se rapprocher un peu plus de Massa, Alonso et Vettel. Peut-être. Et du coup, le classement au championnat de pilote, on est 6ème, très très bien, avec 36 points. On est entre les deux Ferrari d'Alonso et Raikkonen, donc ça c'est une belle perf. On est quasiment... on est quand même dans le groupe des meilleurs, hein. Regardez, on est quand même entre deux Ferrari, une et Williams qui est derrière. De McLaren... Fait partie des top pilotes, mine de rien. Ensuite, au championnat constructeur, on est quatrième. Alors quatrième, par contre, on a perdu un peu de terrain sur Williams. On va voir hein, ce que ça peut faire sur la saison. Je n'ai aucune idée des autres circuits que ça va donner, sachant qu'Esprit, je connais pas super bien, donc peut-être que je vais galérer. Mais il y a peut-être de quoi faire. Hein. Si on réitère une ou deux bonnes performances dans la saison, comme un comme je crois que c'était à, pas à Bahreïn, mais à, en Chine. Pourquoi pas essayer de maintenir la quatrième place devant Williams, ça pourrait être intéressant. Et donc voilà, écoutez, on s'arrête là-dessus. Le prochain Grand Prix, normalement, il aura lieu... Alors oui, il y a un auto saving, ça c'est bien, j'ai jamais fait gaffe de sauvegarder quand même entre les deux, même si je sais qu'il sauvegarde, mais je l'ai jamais visé. Je pense que le prochain, ça va être Monaco. Du coup, ça va être... soit super dur, soit excellent, on va voir. Et que 94 tours.
On a fait un meilleur tour aussi. J'avais pas fait gaffe. Et on est en... Ah, on est en professionnel. Ah, c'est bien. C'est professionnel ou expert, je sais plus. Bref, je sais plus exactement un niveau. Mais je trouve que le niveau qu'on a choisi quand même plutôt bien. Vous voyez, c'est pas facile, c'est pas trop difficile. C'est entre les deux, du coup, c'est assez cohérent. Même si, voilà, ça va être quand même un petit peu en performance normalement, mais... C'est quand même cohérent pour le championnat, quoi. Ça reste intéressant. Oui, chaque course, on n'est pas là à se dire on a déjà gagné, quoi. Ou on a perdu d'avance. Non, non, il y a toujours des petites imprévus. Alors, si c'est Monaco et qu'en plus il pleut, ben il pleut pas. Il pleut pas. Mais ça aurait été énorme qu'il pleuve. Donc, bah, écoutez, on se retrouve pour la suite à Monaco. À la prochaine. Ciao tout le monde. Thank you.